personnes. Mais à Bosakapé, personnellement, beaucoup. Nos activités économiques. Est-ce que la RDC peut atteindre aussi le niveau comme de la Côte d'Ivoire en matière de café? Ah non. Nous pouvons le faire, puisque la Côte d'Ivoire, c'est un pays aussi qui cultive le cacao, un peu de café. Mais les espaces que nous avons ici au Congo, en tout cas, dépassent les espaces qui est à Côte d'Ivoire, au Cameroun. Nous espérons, avec cet atelier, nous pourrons, dans les années qui viennent, dans 3 ans, dépasser même la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Bonjour, Jetta. Bonjour. Je suis intéressé sur la question d'appuyer la recherche. Puisque les chercheurs sont là, les potentialités sont là, mais ce sont les moyens qui manquent. Et s'il arrivait qu'on mette à notre disposition les moyens nécessaires, nous allons vraiment élever le défi. J'ai été partout là, j'ai vu ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont des moyens. Ce sont les moyens. La recherche ne peut pas se faire sans moyens. Et si on met à notre disposition des moyens et que les producteurs tels qu'ils sont engagés se mettent en contact avec nous, donc avec nous pour prendre les matériels que nous disposons, ça va aller. Ça va. C'est la volonté qui manque. Nous, nous avons des matériels qui produisent beaucoup. Mais il n'y a pas de financement, de moyens pour appuyer la recherche. Et moi, gouvernement, le message, oui. Message. Oui, le gouvernement congolais doit faire son travail. Le gouvernement congolais connaît ce qu'il doit faire. C'est lui, c'est nous, nous sommes les services techniques du gouvernement. Et il sait les objectifs qu'il nous a assignés, il nous a donné donc la mission de produire les semences de qualité. Et il sait bien que pour produire les semences de qualité, il faut y mettre les moyens. Que le gouvernement applique tout simplement, c'est la recommandation de l'ordre qu'il nous avait donné, qu'il donne les moyens, nous allons trouver. Allô, Bao. Vous ne dégustez pas le café ou d'autres. De l'organisation de ce forum, quoique de mon avis il arrive un peu tardivement, mais ne dit-on pas mieux vaut tard que jamais.